Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans le centre-ville de Lyon. On est sur la place Bellecour pour un match très attendu toujours de notre championnat de Ligue 1. C'est l'Olympico, le choc des Olympiques, enfin bref, l'affrontement entre les deux principaux Olympiques du championnat. C'est Lyon, Olympique Lyonnais contre Marseille, l'Olympique de Marseille. Un match que j'attendais vraiment parce que j'avais eu une petite histoire. Pour en parler, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a de cela un an et demi, un certain youtubeur que vous connaissez bien est venu à Lyon, puis est parti à Décines pour aller voir un certain match de football. Avant ça, il avait voulu aller regarder Nice-OM, mais il avait finalement annulé et grand bien lui en a pris. Il est venu voir le match donc en question. Eh bien, il a été stoppé au bout de 3 minutes parce que quelques histoires avec des supporters quoi, sur lesquels on reviendra. Et ensuite, après ce match, il avait dû rentrer bredouille sans avoir pu voir le match. Et au final, il avait été regarder un autre match pour supporter son Paris FC contre cette même équipe de Lyon. Et le match avait encore été stoppé. Ouais, bon, vous l'aurez compris, j'étais là pour le dernier Olympico qui était censé avoir lieu la saison dernière et qui avait tourné court à cause d'une bouteille de cristalline sur Dimitri Payet. Et au final, j'avais pas pu voir ce match. Bon, j'étais déjà venu pour un Olympico, c'était en Coupe de France. Bon, le stade était moins rempli parce qu'il y avait 40 000 personnes. Là on va approcher du guichet fermé. Et voilà, c'est toujours un match attendu. J'espère que cette fois-ci, ça se passe bien, hein. Doucement, hein, les gars. Même si, évidemment, il y a de la rivalité et tout. Ouais, on est d'accord. Et doucement. Allez, on va se préparer. On a un petit peu de temps devant nous. Et ensuite, direction Décines-Charpieux, où se trouve le parc OL. On continue là-bas, tout de suite. Vous avez pu le voir, les balcons sont déjà chauds apparemment. Ça commence bien, pour précision, il n'y a que 19h30. Je suis avec un pote. Un pote du stade. Ouais. vous avez dû, si vous avez suivi toutes les vidéos de ma chaîne, on avait fait une interview en gros, il m'avait interviewé sur mon parcours. Hack Stadium. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça s'appelait l'entrevue. Ouais, l'entrevue, ouais, il faisait des interviews avec différentes personnes. Et on est là et c'est parti pour la soirée. Franchement, on va avoir un bon match. Bah ouais, et là j'imagine là t'es chaud là pour supporter l'OL. Bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Quelle tribune? Moi je suis tribune sud. Ouais, je le sais, mais je suis juste à côté des 1950. Je suis vraiment entre les deux. Ah, ok. Bah, et aussi, au-dessus des 1950, il y a le parkage. Donc, pour rappel, si tout se passe bien, hein, parce qu'il y a eu quelques doutes, il y aura 400 Marseillais qui vont venir. J'ai déjà vu pas mal en ville. Ah ouais? Bah, je te cacherai pas que j'en ai croisé un qui m'a dit discrètement qu'il est Marseillais. En fait, il m'a reconnu parce qu'il me disait comme quoi ouais, il connaissait ma chaîne, mais il a dit bon, je la joue secrète pour pas me faire péter. Bon, ok, bah, allez, c'est parti.
Et voilà, on est rentré, prêt à vivre un gros match avec de l'enjeu. Ah ouais, j'avais oublié de planter le décor. Donc l'OL est à 6 points de la 5e place, qui est qualificatif pour la Conference League. Donc il faut gagner aujourd'hui pour se rapprocher de Lille qui a fait match nul. Donc c'est hyper important. Et de son côté, l'OM doit récupérer sa 2e place. En plus de ça, il y a la rivalité. En plus de ça, voilà. Il y a l'hommage à Paul Bocuse. Ouais, j'avais oublié de dire ça aussi. Pour rendre hommage au célèbre chef français Paul Bocuse qui est mort il y a 5 ans. Et c'est tout à leur honneur, les Badones et les 1950. Bon allez, c'est parti. Stade. OL, OL, Olympico, c'est parti. Ça devient bien directement, un peu plus fort pour nous se rapprocher de la cible. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bravo. Elle est vraiment bien, c'est encore bien. Écoutez le battle.
Et la pensée pour Monsieur Paul. Thank you.
pour l'Olympique Lyonnais, avec la sortie de notre numéro 2, Sinali. Ça avait mal commencé, mais au final, quelle soirée ici à Lyon, pleine de rebondissements. Ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Et au final, sur la dernière action, c'est l'OM qui met fin. Et, non, 16 ans sans victoire à Lyon. Oh, le scénario, les Lyonnais étaient bien rentrés dans le match avant que les Marseillais prennent le dessus. Au final, ils ont fini par ouvrir le score. Égalisation de l'OL qui pousse sur la fin et c'est l'OM qui plante sur la toute fin et ça a une vraie climatisation. En parlant de climatisation, l'ambiance, il faut qu'on en parle parce que vraiment j'ai vu des choses, c'est pas possible pour un match de cette envergure et pour les Bad Guns, pour ce qu'ils m'ont habitué. Alors
il y a deux jugements que, enfin, deux que je peux faire. C'est il y a la partie basse du virage nord de Bad Gon. Honnêtement, ils font leur taf, ça bouge, tout le monde quasiment participe, rien à dire. Et par contre, le deuxième anneau, clairement, parlons-en, parce que c'est une véritable honte, je suis désolé. Quand tu as peut-être 10 à 20% du virage haut qui chante, et enfin qui allez, t'as peut-être ça chante sur le début des chants, mais ensuite plus ça fout plus rien, ça regarde le match. Honnêtement, les gars qui prennent des places là, vous rendez pas compte que vous piquez des places à des milliers de gars qui rêveraient d'être là à votre place, à foutre le feu. Et honnêtement, c'était vraiment pitoyable à voir. L'ambiance reste correcte, hein, parce que bon, Lyon c'est largement au-dessus de la moyenne de Ligue 1. Mais par rapport à la capacité qu'il y a, je suis déjà venu pour des OL Monaco, c'était beaucoup plus chaud que ça. Bon, je comprends aussi qu'il y a le prix des places qui fait que ça attire un certain public. Mais non, ça passe pas, honnêtement, pour moi. Bon, il y a eu un petit sursaut quand il y a eu l'égalisation, mais ça n'a pas duré en longueur. Donc, je m'attendais à voir pas autant que contre Saint-Té, parce que bon, Saint-Té, c'est encore un autre niveau, les derbys, le niveau qui monte dans le virage nord. Mais ouais, bah, je m'attendais quand même à un gros niveau, et il y a des petits matchs où j'ai fait beaucoup mieux. Donc voilà, c'était désolé pour le gros coup de gueule, mais honnêtement, je vais pas faire l'hypocrite, mais je peux pas cacher le fait que je suis extrêmement déçu ce soir, parce que je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon. Mais voilà, c'est une soirée pleine de rebondissements, le parquage. Ah ouais, les Marseillais, il y en avait pas mal planqué qui ont dévoilé leur vraie identité quand. Il y a eu les buts, et ensuite après qu'on a été faire la fête avec le parquage. Et voilà, bon, voilà, c'est l'OM remporte l'Olympico 17 ans après, non, 16 ans après, ouais, enfin, bref, après avoir mis fin à la série à domicile contre le PSG, avoir mis fin à la série à Bordeaux, bah, ça fait beaucoup de séries qui stoppent ces derniers temps, et c'est de bon augure pour l'OM. Allez, merci de m'avoir suivi jusque là. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, et je l'espère, pour des chocs, avec que ce soit des classicos ou des derbies, mais avec cette fois-ci des virages qui montrent le meilleur de l'eux-mêmes. Allez, abonnez-vous, likez, ciao.